Salut tout le monde! Ciao! Bonjour, buongiorno a tutti! Bonjour! Je suis super content de vous retrouver, Cyril Le Guasigo pour la préparation physique. Je suis très heureux de pouvoir vous retrouver. Alors, dans un lieu idyllique, c'est pas un golf bien sûr, mais on va refaire des séances. Pourquoi? Parce que le confinement arrive et puis parce qu'on veut vous proposer avec Journal du Golf encore de nouveaux contenus. D'accord? Parce qu'on veut absolument que vous continuiez à vous entraîner. Alors ce soir, c'est un petit peu particulier. On va faire 3 exercices ensemble. Et puis après, je vous libérerai et je vais vous offrir une séance entière sur fessiers. D'accord? Fessiers ischio. Donc, fessiers ischio. Qui sont deux muscles hyper importants pour le golf. Deux choses importantes pour le golf. Gardez les angles, ça c'est hyper important, on vous le demande tout le temps. Et la deuxième chose, la capacité à accélérer le milieu du corps et donc le haut du corps. Ça marche? Voilà, donc aujourd'hui, pour ceux qui viennent d'arriver, je vous réexplique rapidement. On va se faire en 15 minutes 3 exercices, d'accord? Puis après, je raccrocherai, je vous libérerai. Et puis, je mettrai en publication, grâce à Journal du Golf, et encore je les remercie d'être venus vers moi, eh bien, une séance sur fessiers ischio pour garder les angles et accélérer dans le swing de golf. Comme vous pouvez le voir, on va profiter de ce quart d'heure, non seulement pour faire des exercices, mais pour reprendre contact. Alors, ce que je vous propose, eh bien, c'est de m'écrire vos petites questions, vos petits commentaires, pour toutes les idées qui pourraient arriver dans l'avenir, hein, pour la semaine prochaine, choses comme ça. Moi, je vous prépare, grâce à Journal du Golf, quelques petites choses, quelques petites surprises, que ce soit des vidéos enregistrées ou des lives comme on est en train de le faire. Ok? Allez, je vous propose un premier exercice. Ça va très bien, Elisabeth. Je vois que les habitués sont encore là. Très, très bien. Merci, Elisabeth. Vous voyez, c'est idyllique. On va avoir un coucher de soleil, les amis. Extraordinaire, mais on n'est pas là pour ça, on est là pour les exos. Allez, premier exercice, je vous propose quelque chose qui va faire travailler votre équilibre en même temps que votre dissociation. Très simple, je vous le fais de face, sur une jambe en équilibre, je vais aller toucher le milieu de mon mollet, ici. Et quand je me relève, je dois tourner les épaules et regarder sur le côté. Donc là, je touche. Là, je tourne. Comme je suis droitier, c'est ma jambe gauche. Donc, je fais mon finish. Quand je serai sur jambe droite, eh bien je ferai le positionnement de backswing. Je vous fais vue de côté. Prêt? Allez, on y va. Touche le milieu du mollet. Hop, je tourne les épaules le plus vers le côté possible. J'essaie de ne pas reposer le pied au cas où vous vous aidez avec la pointe de pied. Là. Et là, ça marche? Ok. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire 3 fois 10, 3 séries de 10. Je vais arrêter de parler pour que vous profitiez du silence aussi et de la vue. Mais on va faire 3 fois 10 avec de grandes respirations, surtout quand je tourne les épaules. Ça marche? Allez, let's go, on est parti. Jambe gauche pour le droitier, c'est la jambe du finish. Down swing finish, hop, je tourne. Allez, hop. 2. On essaye d'enchaîner sans jamais reposer le pied. 3. 4. Je vais finir dans l'eau si ça arrive. 5. 6. 7. Allez, on essaye de ne pas tomber, de ne pas poser le pied derrière.
Ensuite, je tourne fort les épaules. 9. Hop là, petite erreur de ma part. Et 10. Hop, on enchaîne tout de suite de l'autre côté. Vous êtes prêts? Une jambe, l'autre jambe libre. C'est parti. Je m'en ai. Je suis backswing parce que je suis droitier. Peut-être que la vidéo inverse. Là, je suis sur ma jambe droite. Je tourne le plus fort possible à droite. Ok? Jambe droite. Plus fort possible à droite. Jambe droite. Et ça fait 3. Allez, on enchaîne. 4. 5. 6. 8. Oups, c'est dur pour moi sur cette jambe. 9. Allez, vous êtes, faites bien mieux que moi. Je me mollet. Et 10. On a fait une fois de chaque côté, il nous reste deux fois de chaque côté. Dans cet exercice, vous savez qu'on vous parle régulièrement de petits outils qui peuvent servir. Dans cet exercice, moi j'utiliserais bien soit sous la pointe, soit sous le talon du pied, le fameux force pédale. D'accord? Alors je ne l'ai pas, je vais l'avoir, je vais le sortir de mon bureau. Dès la prochaine séance, je vous propose des exos avec cette petite chose. Vous savez, cette petite plaquette plastique de couleur, légèrement bombée avec deux duretés différentes. Force pédale, moi je l'utilise beaucoup dans toutes mes séances, quasiment toutes mes séances. Ce matin à 8h30, on était dehors avec des athlètes professionnels. On a fait ce genre d'exercice, pas tout à fait celui-là, mais on a travaillé sur l'équilibre. Tout de suite, j'ai placé sous le talon quelque chose pour un petit peu les réveiller à 8h30 dans le froid, et ainsi de suite. Et nous, on est reparti. Prêt? Allez, je suis là. C'est parti. Je tourne fort les épaules, je respire. 2. 3. N'hésitez pas à écrire vos questions pendant ce temps-là. 4. Vous aurez des invités dans les prochaines émissions. 5. Des champions. Alors certains qui me suivent savent tout de suite à qui je me suis adressé. J'ai eu la chance d'avoir des champions qui gagnent dernièrement. 7. 8. Allez, on tient. 9. Je tourne fort les épaules, pas que les bras. Hein. Et 10. Hop, de l'autre côté. On aura aussi d'autres préparateurs physiques, un ou deux autres qui viendront me prêter main forte tellement vous êtes nombreux maintenant. Et surtout, viendront vous proposer un petit peu d'autres exercices. Pas toujours le même éclairage. Et puis on s'amusera comme ça avec eux, en interactif. 3. 4. Regardez mes épaules qui sont complètement tournées sur le côté. 5. 6. On aura peut-être des surprises aussi. Je ne veux pas vous vendre du rêve, mais 7 du côté des joueurs professionnels. 8. 9. Oups. Et 10. Ok, regardez, quand je suis de face, une petite correction, bien faire attention parce qu'on discute, on ne fait pas attention. J'ai mon pied orienté vers l'avant. Quand je remonte, j'ai les épaules et les mains qui montrent la même direction. Si je ne peux être que là, malheureusement, l'exercice n'est pas rempli, complété correctement. Ok, allez, il nous reste une série de chaque côté. On enchaîne, parce qu'après, on a encore un, voire deux exercices avec le coup de choc, poussé de soulette, bien sûr. Ah, équilibre, allez, je touche mes mollets, je tourne, allez, on essaie de mettre du rythme, là, et ici, et 3, et 4, allez, vous connaissez l'exercice, maintenant on tourne fort les épaules, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Hop, encore de l'autre côté, une dernière. Prêt. Là. 1. 2. Allez, on tourne fort, fort, fort les épaules. Ça tire dans le dos. 3. 4. 5. 6. Essayez de garder le bassin bien face comme vous l'avez vu depuis tout à l'heure. 7. Parce que la jambe reste derrière la jambe libre. 8. 9. Et 10. Ok, n'hésitez pas. Je vais regarder tous vos commentaires. Je vous rappelle, et ils viennent de le mettre d'ailleurs, Journal du Golf. Je vous rappelle, c'est marrant, je voulais en parler. Demain, un live premium avec mon ami Lewis et mon ami Guillaume. D'accord, les deux coachs sur driver plus loin. Driver plus loin. Donc regardez sur la page Facebook toutes les informations. Demain, un live premium, une nouvelle formule de live. Regardez, driver plus loin avec Guillaume et Lewis. Deuxième exercice que je vous propose. Un exercice qui là va travailler totalement la dissociation. Je vais me mettre vue de face, je fléchis et je garde cet angle. Je vais tendre les bras vers l'avant et là je vais m'amuser à tourner le volant. Et je reviens, tourner le volant, je reviens. Vue de côté, on est là. Vue de côté, on est là, donc je garde l'angle, hein, fléchisse. Petit fléchissement des jambes. Je garde mon angle, un angle un petit peu plus grand que le swing de golf. Hein, on est bien d'accord. Je tends les bras si possible dans l'allongement du corps. Et je tourne le volant. Là. Là. Attention, j'en vois qui essaie. Et comme j'ai des espions, j'ai des souris, j'en vois qui décalent déjà le haut du corps. On voit qui décale le haut du corps pour tourner. Faites dans cet exercice votre maximum dans la rotation sans décaler. Dès que vous commencez à décaler, c'est le dos qui va trinquer un petit peu, mais comme il n'y a pas de charge, c'est pas grave. Mais c'est surtout un exercice où je vais envoyer des mauvaises informations à voilà monsieur le cerveau, je veux que vous appreniez la dissociation comme ça. Donc s'il vous plaît, gérez bien les décalages d'axe de rotation et gardez-les le plus possible dans votre axe de rotation normal. On est parti, on va faire 12, 3 fois, à savoir, à chaque fois que je vais à droite, je compte 1, puis 2 de l'autre côté, et ainsi de suite. Allez, on y va. Je suis fléchi, attendu, je suis hyper fort avec lombaire fessier, et on tourne. C'est parti, ça tire, ça revient dans le milieu du dos au niveau de la tension. La tête peut tourner, mais la tête reste fixe, c'est mieux. Comme au golf, 3, 4, 5, 6, allez, on continue à allonger les bras, 7, 8, on tourne autour de la tête, 9, jusqu'à 12, 10, 11, et 12, ok, on essaye d'allonger au maximum ses bras, tout le temps, non-stop. Pendant l'exercice, on a tendance à rétrécir. Je vais vous faire la vue de côté sur la prochaine série. On a tendance à rétrécir. Plus on est tendu dans le dos, plus on met de la tension dans la rotation, plus on a tendance à ramener les bras et déverrouiller les coudes. Ok ? On est parti. Deuxième série. Je suis là. Let's go. Attendu. Ça tourne le volant. 1. Allez, les épaules tournent autour de la tête. 2, libérer la respiration, ou encore de la ventilation tout le temps. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok,
toujours tendre les bras. Il nous restera une série. Entre temps, une petite explication. On a passé le live à 17h, tout simplement parce qu'à 18h, il y a un autre live que le Journal du Golf a répercuté, qui est le webinaire de la PGA France, ok, qui va vous expliquer un petit peu ce qui se passe en période de confinement, toutes les nouvelles informations. Donc, c'est pour ça qu'on a décalé, de façon à ce que vous ayez le temps de voir ma séance que je vais vous poster juste après. Éventuellement, refaire un peu les exercices qu'on vient de voir, mais comme ça, à 18h avec Guillaume Biogeau, vous pourrez le retrouver sous une autre antenne, mais répercuté par Journal du Golf, hein, le webinaire de la PGA France. Vous pourrez regarder si ça vous intéresse. Il y a toutes les dernières informations. Il nous reste une série avant que je vous libère. J'espère que vous avez écrit quelques questions. Sinon, n'hésitez pas, hein, après ce live, vous avez le replay à disposition pour les exos. Et vous avez aussi les commentaires. Dans les commentaires, donnez-moi des idées, éventuellement, de thèmes, parce qu'on en a fait tellement de lives que redonnez-moi des idées, s'il vous plaît, vos désirata. Donnez-moi des petits défis à faire. Je ne vais pas inviter toute la planète Terre, hein, bien sûr, mais on est en train, en ce moment, de voir entre la France et les États-Unis qui est-ce qu'on peut vous faire écouter. D'accord ? Donc, voilà. Donnez-moi des idées. C'est toujours bon à prendre. Dernière série. Allez, regarde l'angle, buste bien droit, sans cambrer pour autant, bras tendu dans le prolongement du corps, et je tourne le volant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, je tire fort avec l'épaule du dessus, 11 et 12. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Alors, j'ai une bonne idée, en tout cas, pour une fois, une bonne idée pour moi. J'aimerais que vous me fassiez comme cadeau, avant qu'on se sépare, j'aimerais que vous me fassiez comme cadeau une série supplémentaire de 12 dans cet exercice-là. Eh ouais, de temps en temps, il faut savoir se faire des cadeaux. Donc, c'est vous qui allez me faire un cadeau, une série supplémentaire, tout de suite maintenant. Et puis moi, quand je vais vous avoir libéré, je vais vous faire cadeau d'une séance fessier ischio pour bien garder les angles, bien accélérer. Je vous rappelle, le le live premium demain avec Lewis et Guillaume. Intéressez-vous à ça, drivez plus loin. On est prêts ? Dernière série, c'est votre série cadeau. Merci, je vous remercie. Allez, bras tendus, let's go. 1, 2, 3, 4. Bras tendus de loin devant le volant. 5, 6, 7. On garde le même axe de rotation. 7, 8, pardon. Et on libère la respiration. On ne bloque pas. Hein. Et 10. 11, je tourne fort les épaules, et 12, je relâche. Allez, un petit étirement pour terminer, comme ça vous profitez du paysage également. Je suis sur un genou, ce qui m'intéresse le plus, c'est le haut du corps, d'accord? Donc, on est parti, let's go, je suis là-haut. Hop, je tourne du côté où je n'ai pas de jambe d'appui devant. Jambe gauche devant, je penche à droite. Ok, je tire sur tout ce côté-là, ici. Ça marche. Hop, on change. Côté. Prêt. Je penche. Je tire sur ce côté. Comme ça, on va étirer ce qu'on vient de bosser. Dans la semaine qui va, dans la fin de semaine qui va arriver ou le week-end, reprenez ces deux exercices-là. Hop, on change de côté encore une fois. Prêt. Soufflez. Soufflez. Tension entre le côté de l'épaule et le début du buste, le grid costal. Encore une fois de l'autre côté. Allez, on est bien au paradis, hein, au paradis des bateaux là. Soufflez. Tension épaule, côté épaule, grid costal. Grand droit. Voilà, allez, voilà pour cette micro-session.
Donc je vous rappelle, on va se voir régulièrement, on va reprendre les lives. De toute façon, il va y avoir plusieurs formules. Hein, on ne va pas rester sur une formule, en tout cas sur la préparation physique, sur ce que je vais vous proposer, sur une formule de live tout le temps. Il y aura à la fois un peu de vidéos enregistrées, ce qui me permettra d'avoir des invités. Ça, c'est hyper important, que ce soit des joueurs, très bons amateurs, pros, proètes, des préparateurs physiques aussi. J'ai 2-3 idées en tête. Ok, je vous libère. D'ici 5 minutes, vous aurez à disposition une séance, comme je vous ai dit, fessier ischio, que je vais vous poster sur la page Facebook de Journal du Golf. Et à 18h, vous avez un live, PGA France, Journal du Golf. Et demain, n'oubliez pas, demain, le live premium, cette fois-ci, j'ai pas fait d'erreur, live premium avec Lewis et Guillaume. Comment driver plus loin? Moi, j'en ai une bonne idée. Mais je pense que demain, ils vont vous donner des tips super intéressants, soit techniques ou physiques. Allez, à très bientôt. Merci à vous. Super content de vous avoir retrouvé. Je m'en vais faire mon petit paddle. Allez, ciao. Bon entraînement.